Bon, ok les gars. On est de retour, donc j'ai regardé la souris. Ça me saoule. Attendez, j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Attends, je mets, je en pause. En pause et après celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ok, donc ensuite c'est celui-là, celui-là, celui-là et attendez, il m'en manque un. Ouais, c'est celui-là. Et là, logiquement, on est bon. Et je mange un petit gâteau. Dieu! Mais là, c'est pas bon. Merde, comment ça, c'est pas bon? Oh là là. On va le refaire. Dans l'ordre. Ah. Ah oui, la vidéo, c'est la vidéo qui tourne. Hein. Donc. Alors. Celui-là en premier. Et après celui-là. Ok. Donc. Après celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là, après un. Ouais, mais c'est, il en manque un là, il manque celui-là. Après il part sur celui-ci. Celui-là. Celui-là, celui-là, et là on est bon. Ouais. Hein? On est bon, on est bon. On est bon. Ouais, c'est bon, on a réussi. Oh, ça m'a saoulé. Allez, on avance. Voilà. Ah bah voilà. Oh, c'est nouveau ça, c'est qui ça? C'est des faucheurs. Seuls les sorciers puissants peuvent invoquer et contrer ces esprits dangereux. Les faucheurs sont des manifestations corporelles de la mort elle-même. Leur aspect dépend des croyances de ceux qui les rencontrent, mais la plupart des personnes les perçoivent comme des squelettes avec des longues tuniques maniant de longues faux. Ok. Alors. Je ne trouve pas très forte. Hein. Je. Ah, moi, même pas toucher une seule fois. Ça y est? Merde, il y a un truc là-haut. Putain, un angle de vue des pourris, frère. Bon, laisse tomber. Hein? Ah voilà, c'est ça. Dépouiller le pays de la mort.
Ouais, j'aime pas trop la... On est sur la fin du jeu. Hein. J'aime pas trop ces niveaux-là. C'est pas qu'ils sont moches, mais... Pff, très décousus, très solitaires, mais j'aime pas trop ce genre. Après, il est beau, hein, mais... Pff, c'est pas trop mon délire, ça me dépayse pas trop, en fait. Ah, le con. Ok, bah, je suis tombé là, nickel. La musique elle est épique. Elle. Ah, petite faucheuse. Oh putain, c'est nombreuse là. Ah voilà, elle m'attaque un peu quand même. Pourquoi j'ai pas de life, c'est chelou. Oula. Merde, il court pas. Cours mon petit Gabriel. Ouf, parfait. Bon. Petit passage de plateforme. Ah, rien de méchant. Allons-y. Vous avez débloqué une entrée de bestiaire de personnages. Encore ? C'est qui ça ? Le nécromancien. La nécromancie est la plus maléfique des écoles de magie et ne peut être accomplie que par les serviteurs du Seigneur Noir des Morts. À la différence du vampirisme et de la lycanthropie, les pouvoirs nécessaires à contrôler les énergies des morts ne s'acquièrent pas facilement. Le Seigneur Noir ne partage qu'une petite partie de son pouvoir avec ses serviteurs qui doivent eux-mêmes mourir pour utiliser les capacités reçues. Une fois morts, ils deviennent ses serviteurs et leur maître est capable de les contrôler grâce à son pouvoir considérable. Ok. Moi je peux pas être comme ça. Apparemment c'est un boss. C'est le nécromancien, hein, c'est ça. Hein. Bon, je le vois pas là. Mais c'est un boss. Ok. Alors il me faut tout ça, tout ce que je récupère. Ok. Ok, il est costaud. Life. Par contre, la pression me fait vachement mal. Ouais, je me fais mal du tout. Vite, redonne-moi de la vie parce que là, oh, ça va être chaud. C'est bon, il est dead. Dis-moi que je te tue une fois. Voilà, voilà. Il est walking dead. Oula. J'ai deux choix. Toujours aller à gauche. J'aime pas ça. Non. Ok. Merde. Putain.
on est passé. Bon, si c'est une sorte de labyrinthe de miroir là. Non, j'aime pas ce niveau. Franchement, j'aime pas ce niveau. C'est quoi ça? Utilisez la puissance du gantelet pour activer le bouton. Ouais, ok, j'ai activé ça. Ah, je parle pour trop de... Benetas. Putain, j'ai aucune idée de ce qu'il vous faut. Il y a un miroir là-bas derrière. Putain, non. Oh là 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 là, c'est relou de ouf. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Je suis prisonnier sur ce rocher flottant, ce territoire est immense énigme et des centaines de miroirs qui peuvent vous transporter n'importe où, tout comme la magie d'ouverture des négros anciens. Il suffit de comprendre quel miroir vous emmène et où. J'ai passé toute la journée et la nuit ici et je suis de plus en plus las chaque fois que j'emprunte une nouvelle porte. Pourquoi la main ne me trouve-t-elle pas et ne m'emporte-t-elle pas? Ok. Calafamilia. Non, t'es pas. Putain. On dirait que je suis bloqué, frère. Mais où est-ce qu'on fait pour se barrer de là en fait? J'ai cru que j'allais être bloqué encore. Ouais, relou. Dernier monde relou là. Ah ouais.
Ouais. Là parce qu'ils sont nombreux là. C'est bon, rien d'autre ici. Ok, et dis-moi que c'est la fin là des ces conneries. Ouais, je reviens là. Mais je peux pas passer. Je peux toujours pas passer, putain. Je vais survivre, je vais survivre. Voilà, j'ai survécu. J'ai pas accès là. Genre là. Là voilà, là, monte. Parfait. Allez, encore un bouton. C'est bon. J'ai cru que le miroir là était pété et qu'il fallait que je le refasse. Non, c'est bon. Donc là, c'est bon. J'ai tout ouvert. On a fini ce niveau. Putain. Encore un nécromancien, sa mère. J'ai presque plus de life. Hein. J'ai presque plus de life. Voilà, maintenant il a mis deux mecs. Oh ouais, d'accord, la famille. Non mais t'es sérieux là? T'es sérieux? Le jeu t'es sérieux? T'es sérieux? C'est quoi ce délire? Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Fils de chienne. Putain.
Gabriel, tu fais n'importe quoi. Ah, c'est bon. Je crois qu'il est touché. C'est bon. Vas-y. X. Voilà. Voilà. Je vais péter son putain de bâton. Ah. Ah. Ah, c'est celui-là, là. Je l'ai merdé. Oh, je suis crevé. Je suis crevé parce que je me suis gouré de bouton. J'appuie sur le B. Merde. Et quand on reprend où? Oui, on continue. Faut pas passer cette putain de cinématique. Ah ouais, il lui a donné toute sa life. Et moi du coup, j'ai pu... Bon, il m'a donné ma life aussi. Et après, c'est bon. Elle a tellement enchaîné. Voilà, c'est bon. Allez, cette fois, on va pas en avoir deux fois. Non, il craque. Voilà. Nickel. On pète son bâton. Nickel. Et maintenant, c'est mix. Voilà. Il veut le biberon. Comment on fait là? C'est bizarre ça, non? Ah non, c'est ça. Oh là là. J'arrive. On va monter. Faut que j'arrête de donner le biberon, les gars. Et de toute façon, ça tombe bien puisque c'était l'heure de la pause. Vas-y. Ah, relou cette phase, la fin du jeu là, elle est relou. C'est dommage, hein. C'est saoulant que ça finisse comme ça pour l'instant. Peut-être que le prochain niveau sera cool. Mais là. Là, c'est relou. Parfait. Bon, j'y arrive pas, il y a un sous-sail là. Il y a un petit sous-sail. Ah ouais, d'accord. Si je faisais le saut de l'ange là, en fait, fallait faire l'accrochage. J'ai pas compris là le délire.
Allez, encore un putain de miroir. Ça ne finira jamais. Si, si, si. Bloc, bloc, bloc. Déjà là, il me redonne de la life. Je sais pas pourquoi il me donne de la life, mais il m'en donne. So dark, regardez-le, so si sombre, si beau. Il est venu pour sa vengeance, revenge, et il l'aura. Une machine à tuer, dénuée de remords, killing machine without remorse, without pity. Qu'es-tu devenu? L'amour t'a aveuglé, tu as changé, mon ami. Ta quête touche presque à sa fin. Le rêve est là, ta portée. À présent, tu dois affronter la mort, et tu dois vaincre. Le masque est un objet puissant, et celui qui le porte peut tout faire. Ressusciter les morts, régner sur le monde, détruire l'univers, défier Dieu lui-même. Tu es l'élu, Gabriel, tu es l'élu. Le masque est un powerful device, and he who wields it can do anything. Avant de voir la suite, bring back the dead, rule the world.